suis ingénieur de formation de l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, qui a une spécificité de génie civil sur lequel on apprend à construire, à entretenir, à réparer les ouvrages d'art. Un ouvrage d'art, c'est pas une œuvre d'art. Un ouvrage d'art, c'est un pont, c'est un mur de soutènement, c'est une infrastructure de transport qui sert quelque part à relier les hommes. Donc notre cœur de métier, il est là. Construire, entretenir, réparer des ouvrages qui servent à relier les hommes. C'est une petite structure extrêmement opérationnelle, extrêmement réactive. Les gens qui sont sur le terrain sont ceux qui ont le savoir. Donc on est dans une organisation qui fait confiance à 100% sur les gens de terrain. Moi j'interviens au début d'une opération, au milieu, mais quelque part c'est les ouvriers qui ont le savoir. Donc ils ont les mains libres. Aujourd'hui on a un carnet de commandes assez bien rempli, mais en termes de croissance, on se base principalement sur les hommes qui nous accompagnent. Et aujourd'hui on a une opportunité sur le plateau Mathézin d'un homme qui est un vrai professionnel depuis 20 ans maintenant que je le connais, qui veut nous rejoindre dans ce système d'autonomie, de technique, de contact avec le client dans des chantiers quand même assez intéressants, assez précis. Donc on saisit cette opportunité, hop, on ouvre une agence sur le plateau Mathézin pour occuper le terrain, rayonner sur le 05, revenir un petit peu sur la vallée de la Romanche. Voilà, tout est là, tout est lié aux hommes. L'homme et la technique sont au cœur de notre métier.